c'est ex-aequo pour l'instant alors. D'accord. Eh bien, ils sont ex-aequo. 1-0-6. Meilleur temps. Chrono à battre. 1-0-6. Donc, pour les Belges. Et ils sont ex-aequo. Voilà, on a les deux premiers ex-aequo pour l'instant. Mais on aura le temps de rattraper ça lors du deuxième passage des courses à savon dans quelques minutes, puisque elles sont récupérées. Oula, on a un petit problème avec l'arche là. Il va falloir prévenir peut-être de. Voilà, ça y est, un petit coup de pompe. On prévient le départ de ne pas lancer de caisse pour l'instant, José. Ah, ça y est, c'est reparti, voilà. Ah non, si. Voilà, ça se remonte, ça se remonte. Et je vais vous parler de la prochaine voiture. Alors, la prochaine voiture s'appelle la Renaissance. Vous la connaissez? À 2000. On vient de la Renaissance. Alors, qu'est-ce que la Renaissance? Je vais vous dire quelques mots. Ah, c'est l'harmonie de la Renaissance à 2000 en Ferrari. D'accord. Et donc, ce sont des membres de l'harmonie, des musiciens. Mais très bien, on en sait un peu plus. Donc, des musiciens de la Renaissance, donc Harmonie de Neuville-en-Ferrain, qui vont attaquer cette descente. Ça va avec l'arche? Donc, 11e, on est bien au 11e passage, c'est ça? Oui, c'est ça. 11e voiture. La Renaissance donc de Neuville-en-Ferrain, Harmonie de Neuville-en-Ferrain. On vient de toute la vallée de la Lys pour participer à ces caisses à savon. Alors je vous le donne rendez-vous l'année prochaine. Construisez vos caisses à savon, venez nous rejoindre. C'est pas compliqué. Un petit peu d'imagination, une petite équipe, un petit peu sportif, mais pas trop. Et puis on peut s'inscrire et puis participer à cette caisse à savon. C'est très simple, c'est gratuit, puis on est là pour s'amuser. Voilà, on va l'attendre, elle va passer la ligne d'arrivée, elle va poindre son nez à travers la mousse. C'est la voiture de la Renaissance, Renaissance, donc la Renaissance Harmonie de Neuville-en-Ferrain. Alors elle est partie, José. Oui, ça y est. Alors on me signale, ça y est, elle est partie. La voiture de la Renaissance de Neuville-en-Ferrain. Ben, ça va, ils ont fait fort les pompiers tout à l'heure. Génial. Elle est partie regarder sur notre écran vidéo cette caisse à savon. J'ai l'impression qu'elle va très vite en plus. Elle prend de la vitesse là. Hein, elle va vite. Hein. Regardez, elle arrive. Elle arrive. Elle est passée le tremplin. Elle suit. Elle est à toute vitesse, à toute plingue ici. On dirait une fusée. La Renaissance, mesdames et messieurs, de Neuville-en-Ferrain. Harmonie de Neuville-en-Ferrain. Attention, elle est là. Restez bien derrière les barrières. Restez derrière. Voilà, elle est là, on l'applaudit. S'il vous plaît, faites du bruit. Plus fort que ça. La Renaissance, mais quelle fusée. Elle est magnifique. Regardez, j'ai l'impression qu'elle a fait un beau score. Alors, est-ce qu'on a battu tous les records? On n'a pas encore battu. Aïe, 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 on en a combien? 1-0-9. Ah, c'était pas loin quand même. C'était pas loin quand même. C'était les résultats, donc, à la fin, à la clôture de ces fêtes. Ça y est, c'est parti. Alors, c'est parti pour la... Les prochains, donc c'est les 11, et c'est la Renaissance, donc je rappelle la Renaissance qui est l'harmonie de Neuville-en-Ferrain, voilà, la Renaissance, et je me souviens, c'était une fusée, une belle fusée, et je crois qu'elle avait fait un beau score aussi, la fusée, 1-0-9 pour la première course, restez sur le côté, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, restez bien derrière les barrières, restez bien derrière les ballots de paille. Voilà, soyons vigilants jusqu'à la fin de la course et tout se passera bien. Donc, 1-0-9 pour les voitures
la caisse à savon de la Renaissance lors de cette première course. On verra maintenant à la ligne d'arrivée, lors du passage de la ligne d'arrivée, est-ce qu'ils vont. Ils sont là. Attention, allez, on les applaudit. Encouragez-les au passage. Ils en ont besoin. Regardez cette belle fusée. Elle était à 1,09. L'harmonie de la Renaissance. Elle est là. Stop. Allez. On est à combien sur la deuxième? Aïe, aïe, aïe. 1,11. C'est un beau score. On reste finalement dans la moyenne entre 1,09, 1,11. Il n'y a que 2 secondes à dire, mais on n'a pas pu malheureusement se rattraper et gagner quelques points sur cette deuxième course. C'est pas toujours évident. Hein, les premières voitures ont réussi. Elles ne réussissent pas tous. On verra finalement. C'est la somme de tout ça qui fera que on trouvera ce podium gagnant avec les trois premiers de cette première édition de cette course à savon vers Vicoise, course à savon Jean Vandel. Est-ce qu'on est parti là-haut? Oui. Participants pour cette dernière descente, les 5 meilleurs de cette course à savon sur cette dernière descente. Ils sont partis. Restez bien sur le côté. Soyez vigilants. Ce n'est pas le moment de se prendre une course à savon sur la dernière course. Ce serait dommage. Tout s'est bien passé jusqu'à présent. Merci de rester vigilant jusqu'au bout. Voilà. Et en tout cas, on y arrive un peu à la fois. On va trouver ces 3 caisses à savon qui vont pouvoir monter sur le podium. La première, la deuxième et la troisième. Et c'est celles-là qui vont remporter cette première édition des caisses à savon 2023. Attention, elle arrive, c'est la Renaissance, cette belle fusée de la Renaissance pour sa troisième descente, troisième course. Elle était dans les 5 premiers et puis voilà, ça y est, la voici, la voilà. Troisième descente, troisième chrono, on va mouliner tout ça, on va mettre tout ça dans la machine et puis c'est ça qui va nous permettre de trouver la première. Elle est là, attention! Elle est là, elle va nous passer sur la ligne d'arrivée, mais pas sur mes pieds. Merci, c'est la caisse à savon de la Renaissance. On l'applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Deuxième voiture, il en reste encore 3. Alors, 1,06, qui est un beau score pour la Renaissance. Parole à notre ami président du comité Jean Vandel qui peut-être va nous dire quelques mots avant cette remise de prix. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Didier Snoir, président du comité Jean Vandel. Merci bien, bravo, bravo à tous les concurrents, c'était super, vous avez joué le jeu, c'était magnifique. Les concurrentes, bien sûr, la plus belle parmi nous. On aimerait tellement récompenser tout le monde. Mais bon, qui dit concours dit classement. Qui dit classement dit vainqueur. Qui dit second, dit troisième, quatrième, cinquième. Les 5 finalistes, on peut les applaudir bien fort. On va commencer par l'équipe de la Renaissance qui termine cinquième, s'il vous plaît. Vous pouvez me rejoindre. C'est pas... Oh, voilà, voilà. L'année prochaine, on est d'accord? Pas mal. Merci beaucoup. En quatrième position, on peut les applaudir également très fort. Les Bargeaux.